personnage. Alors, pourquoi personnage? C'est puisque, à la fois dans le tricycle rouge, et puis dans le brasier, et puis même dans tous les livres que je vais écrire, ça sera toujours ma priorité numéro un, c'est-à-dire de développer en profondeur les personnages, bien même avant l'intrigue, puisque pour moi, c'est eux qu'on retient une fois le livre fermé. Alors, psychologie, donc c'est un peu aussi relié au personnage, c'est qu'on a plusieurs façons d'aborder. Plusieurs façons d'aborder son intrigue lorsqu'on est dans un processus d'écriture, on peut décrire l'action, faire des descriptions. Et disons que moi, je laisse beaucoup de place à l'introspection et puis au ressenti des personnages. Je les fais se poser des questions, je les fais réfléchir, je les fais réagir, et souvent même sous quelques petites formes de phrases en italique. Et même si c'est écrit à la troisième personne, la première personne intervient régulièrement justement dans le texte. Donc avec ces petites phrases en italique, que j'emprunte bien volontiers à celui que je considère comme un des meilleurs auteurs, qui s'appelle Monsieur Stephen King. Maladie. Alors, pourquoi maladie? Alors, pour plusieurs raisons. Dans le tricycle rouge, et voire même aussi dans sa continuité, le brasier, la maladie est assez présente, l'entropie est assez présente, et puis les personnages ne sont pas toujours en super bonne santé. Ça contribue aussi à une certaine ambiance, mais c'est aussi, on va dire, en réponse finalement à mes propres peurs, à mes propres angoisses. Et l'écriture me sert aussi beaucoup à les exorciser, toutes ces peurs et ces angoisses. Et puis, étant d'une nature assez, assez anxieuse, et ben voilà, donc, je pense que cette personnalité, cette part de moi-même déteint finalement sur mon écriture. Complot. Alors là, c'est carrément lié à l'essence même de l'intrigue. Les deux livres, que ce soit le tricycle ou le brasier, font intervenir de nombreux, on va dire, institutions, et personnages. Et puis surtout, il y a beaucoup de manipulation, à la fois du lecteur et puis des personnages eux-mêmes. Du lecteur par l'auteur. Technologie. Alors ça, c'était un peu présent. Dans le tricycle rouge, parce qu'on parle beaucoup de technologie, mais là, pour le coup, des années 80. Et pour le brasier, alors ça, c'est autre chose, j'ouvre un nouveau pan. Au niveau de la technologie, j'ai beaucoup travaillé sur les articles scientifiques, sur la science en général, qui vient servir justement tout ce qui touche à la manipulation mentale. Donc si vous êtes intéressé par ce qui existe au niveau scientifique pour manipuler un cerveau, le livre Le Brasier est vraiment fait pour ça. Donc, et puis c'est aussi quelque chose qui me fait peur, c'est terrorisant.